Hey, salut les amis! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment réaliser chez vous votre bière à la maison à l'aide du kit La Boîte du Brasseur. Pour commencer, ouvrez le kit. Trouvez le sac de brassage dans votre kit et y ajoutez à l'intérieur le grain concassé. Et vous plongez le sac de grain dans l'eau pendant 1h30, 2h tout en mélangeant régulièrement. Le mélange au grain devra rester pendant tout le temps du brassage entre 62 et 68 degrés. Ensuite, vous sortez le sac de brassage de la marmite et vous le pressez assez fermement afin d'extraire tout le jus pour avoir le plus de bière possible. Chauffez votre marmite jusqu'à ébullition, puis ajoutez votre premier houblon dans le deuxième sac de brassage et laissez-le pendant 1h30. Et voilà les amis, après 1h20, ajoutez le deuxième houblon au premier houblon dans le sac de brassage. Le nombre de houblons peut varier en fonction de la recette. Retirez votre sac de brassage contenant ces houblons, puis laissez-la refroidir avec le couvercle à température ambiante jusqu'au lendemain matin, ou pour accélérer, vous pouvez la plonger dans une marmite d'eau glacée. Remplissez maintenant le fermenteur à l'aide d'un entonnoir et d'une louche. Ajoutez le sachet de levure. Vous pouvez maintenant garder votre fermenteur pendant une dizaine de jours à 20 degrés. Vous avez un petit peu de temps devant vous, vous pouvez, je ne sais pas, apprendre à faire des claquettes. Fermez le robinet, puis changez de position le fermenteur afin de faire la garde. Ça va permettre aux levures de se déposer dans le fond et d'éclaircir le liquide naturellement. Si le fermenteur gonfle un petit peu, n'hésitez pas à le redécompresser. Choisir des bouteilles qui tiennent la pression et les laver très soigneusement. Mettre un morceau de sucre par bouteille de 75 cl. Laisser la bière refermenter en bouteille pendant une quinzaine de jours à 20 degrés. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à déguster. À la tienne, cow-boy! Bon, maintenant je vous laisse. J'y retourne, je vais cuver. S'il vous plaît, aidez-moi!